Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui car j'ai un autre concours à vous proposer via Instagram. C'est encore le site Garnier et la plateforme Influenceur Vente qui vous gâte en ce moment. Donc j'ai reçu une gamme de produits, j'avais jamais testé. Donc ça va faire une semaine qu'ils sont à la maison, une semaine que je les teste. Donc vous avez 4 produits, je sais pas si je vais réussir à les prendre. Oui, j'ai réussi. Voilà, c'est ces 4 produits à gagner. Déjà, je vous montre ce que vous allez pouvoir gagner très prochainement. Donc c'est toujours le Garnier Skin Actif nouveau, donc ceci n'est jamais testé. Tonique végétal réconfortant au miel de fleurs, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est pour les peaux sèches, moi j'ai la peau mixte à grasse, ici c'est sèche pour moi, donc nickel. Testé dermatologiquement, sans parabènes, sans silicone. Et comme d'habitude, c'est comme le vert, couleur vert à l'aloe vera que j'avais reçu. Derrière vous avez par exemple Aqua Water, il est remplacé par l'eau purifiée. Le sodium phytate est remplacé par le leçon de riz, par exemple. Voilà, tous ces produits pas très bons pour le visage et remplacés par des produits naturels. Donc voilà pour ça. Donc celui-ci, j'utilise quand je me démaquille, juste après le démaquillage, le soir et le matin. Parce que le matin, quand vous vous réveillez, vous avez toujours de la poussière ou des impuretés sur le visage. Du coup, là, ici c'est le lait démaquillant que j'utilise tous les soirs en ce moment, lait démaquillant végétal réconfortant au miel de fleurs, 96% d'ingrédients d'origine naturelle, c'est pour les peaux sèches, c'est très très bien pour les peaux sèches. Donc moi j'ai la peau mixte à grasse, encore ça passe. Par contre pour les personnes qui ont la peau grasse, faites attention, parce que moi j'ai la peau grasse juste ici et quand le matin je me réveille, c'est vrai, c'est un peu plus gras, donc quand je me lave le visage ça part, mais pour les peaux sèches ça hydrate super bien. Donc encore pareil, juste derrière par exemple la glycérine est remplacée par le soja et le colza. Ensuite les deux autres produits, je les ai pas encore testé, donc car j'ai déjà des crèmes en cours à tester, donc je voulais pas mélanger aussi ces crèmes, sinon j'allais pas voir la différence. Donc là j'ai reçu une crème de jour végétale nourrie plus répare au miel de fleurs. Voilà, donc ça sera plus les filles qui vont l'utiliser, car le vert à l'aloe vera, ils me l'ont terminé. Donc je pense qu'ils vont utiliser cette crème. Ils ont la peau très très sèche et vu que c'est des produits naturels, 96%, voilà, les enfants aussi peuvent utiliser ce genre de produit. Pour terminer, j'ai reçu une baume végétale nourrissant confort, 3 en 1, jour, nuit et masque, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc ça, j'ai jamais testé. Donc ce qui est bien, vous pouvez utiliser le jour, le soir et en masque. Voilà pour ça. Donc ça doit être nouveau, même pour les autres produits il n'y avait pas cette gamme. Voilà, par contre il n'est pas ouvert. Voilà, waouh. Donc ça, je pense que j'utiliserai en masque. La crème elle est assez épaisse parce que là ça tombe pas. Donc voilà pour ça, je vais la tester. Ah ouais, c'est comme du beurre, c'est comme du beurre corporel. Pour les personnes qui ont la peau très très sèche, je pense qu'elle est faite pour vous. Et elle sent pas comme la crème démaquillante. Vous avez une autre odeur. C'est à tester. Donc ça, je l'ai ouvert, donc je suis obligée de le tester. Ah oui, il y avait un autocollant, c'est pour ça. Donc voilà pour ça. Je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Belle Ma Coiffe et Cuisine. Là-bas, vous allez retrouver une publication avec ces produits, une photo en fait, un post avec ces produits. Juste en dessous, vous avez toutes les conditions. Je vous invite à aller sur le compte, tout est expliqué. Ne vous inquiétez pas, je ne peux pas expliquer ici en vidéo, mais sur le compte, tout est expliqué. J'espère que ça vous fera plaisir. Je vous souhaite bonne chance d'avance. Portez-vous bien et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Alors, j'avais fait le test, vous vous souvenez, avec la bombe. Du coup, ça donne ce résultat, c'est pas très beau. Par contre, ici, ça fait très joli parce que c'est à la base blanc. Mais là, vu que c'est une couleur brute, ça me donne ce résultat. Et du coup, j'ai acheté une peinture. Ouais, non, c'est mural, mais bon, je vais l'utiliser pour le bois.
ça fera un genre de secours. J'ai trouvé que ça chez Action. Et après, je passerai la bombe par-dessus. Il faut savoir que ça, c'est le en dessous. C'est juste pour, voilà, histoire de montrer que c'est gris et non couleur brute. Voilà, je veux pas un truc de dingue et la planche après ira à la poubelle, c'est pas grave. Mais voilà, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Et hop. C'est tout blanc, je laisse sécher et ensuite on viendra poser la bombe grise, couleur grise, métallique. Bon là ça a bien séché, voilà, et je vais venir appliquer ce produit, cette couleur, c'est ce que j'ai appliqué ici, voilà, allez c'est parti. Voilà, j'ai réussi, donc on va laisser sécher, trop content, donc même si vous prenez une colle, enfin... Une peinture à 2,90€, ça vaut le coup. Enfin, la bombe. Voilà, voilà. It's very good, belle mouche. Merci. Allez, c'est parti pour le papier peint. Je vais attaquer une heure ou deux. Ensuite, j'attendrai mon mari. Car les enfants ne vont pas tarder à venir. Je vais commencer avec le papier peint acheté chez Action. Donc, ça sera sur ce mur. Il vous faut du papier colle, non, de la colle, pardon, papier peint vinyle, parce que c'est du papier peint assez lourd. Il vous faut un petit bol pour mélanger tout ça. Là, j'ai le kit, hop, papier peint. Voilà, ici c'est pour marfler, pour ne pas avoir de bulles d'air. Là, j'ai un autre cutter, parce que celui-ci est un peu merdique, t'en dirais. Allez, c'est parti, une photo avant-après, et je vous dis à plus tard. Sinon, juste pour info, le lustre on va l'enlever et prendre une lumière assez puissante parce qu'on a remarqué que le soir on ne voyait rien du tout dans cette chambre. Voilà, j'étais obligée d'allumer la lumière LED. Mais le plafond ça va, c'est bien propre, les côtés aussi. Donc assez contente de tout ça. Alors ce qui est bien, tout est expliqué ici. Donc là je vais utiliser deux rouleaux. Alors il me faut 1,5 litre d'eau plus, ici vous avez remplir jusqu'au trait pour deux rouleaux, voilà, c'est une petite dose, dosette, et la peinture, enfin la colle se présente comme ceci, elle est solide, et ensuite vous appuyez, là je vais laisser reposer 10 minutes, ça va durcir et ça va être good, voilà, c'est pas compliqué, tout le monde peut y arriver. Là j'ai la prise, donc avec le cutter on va venir couper, mais franchement ça claque, ça fait beau hein, j'adore. Salut, donc aujourd'hui on est lundi, je suis à la poste, je vais envoyer le lot de la Miss qui a gagné au concours sur Instagram. Et restez connectés, bientôt il y aura un autre jeu concours.
Alors, donc là, on est venu dans le rayon des chaises. On est en train de chercher une chaise pour Gabi et Clara, pour la chambre, faire les devoirs. Du coup, le moins cher, c'est celui-ci à 19,95 €. Voilà, il est tout simple, blanc, blanc laqué. Très propre, ça ferait bien. Ça va bien faire dans la chambre. Voilà. Sinon, un peu plus design, il a 39 €. Ouais, 39 €. Voilà. Mais vu que je dois acheter deux chaises, voilà, ça fait ça. Donc moi, du coup, je suis venue ici à la base aussi pour me chercher une commode pour ma chambre. Bon, ça, c'est une commode de bureau, hein, avec le code, hein. Celui-ci, elle a 229 €. Ah oui, il n'y a que ça. D'accord, moi, je pensais que c'était collé. Celui-ci, il a 349. Ben, dis donc. Des bureaux, 279 €. Ben, dis donc, c'est pas donné, hein. Elle est trop belle, le lustre. Combien, ouais, 95 €. Trop beau. Ah, les fameuses coiffeuses YouTube. Lol. 225 €. Cette coiffeuse, à tes souhaits. Tout le monde adore acheter ça. N'est-ce pas? Sinon, tout le monde a ça. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de rangement, hein, à 149 €. Euros. 80 €, c'est quoi ça? Ça s'ouvre? Non. Ah si. Ah, c'est une boîte à bijoux. D'accord. Lui, il s'ouvre pas? Non. Elle est belle, la chambre, mais c'est très très sombre. Alors, elle a 259 €, mais... c'est pas une qualité de dingue, quoi. Ouais, c'est avec sécurité là. Elle est belle. Mais 259 €. Cette armoire, il a 121 €. Que cette partie. 121. Après, t'as cette armoire, je connais pas le prix. 129. Ça, c'est quoi? 79. Ouais, t'as l'intérieur aussi. C'est bien ça. m². Alors là, vous avez le canapé. Ici, vous avez le lit. Voilà. Vous avez un coin douche. Ok. Là, vous avez sa cuisine. Donc, Gabi habite sur Paris, hein, dans le 15e arrondissement. Et là, vous avez son petit lavabo. C'est chic chez toi, Gabi. Et là, il a une petite terrasse. Tranquillou, pépère la vie. 15 m². C'est mignon. Ouais. Bienvenue dans mes 15 m². Voilà, ce lit il a 200 €. Hop là. En fait, ouais, faut mettre deux matelas ou quoi. Sinon, t'as celui-ci qui est bien aussi. 329 €. 329. Un lit tout simple, 149 €. Et là, 69 €, ouais, c'est trop moche. T'as celui-ci, là, 159. Mais elle a l'air bien. C'est ça que t'avais, Gabi, à la maison? Le mien, le nom. Ouais, c'était celui-ci, non? 139 €. Il était plus grand? Ouais. Là, c'est des... Ah, il n'y a pas grand-chose en lit, en fait. Tu vois? Celui-ci, il a combien? 229 €. Voilà.
Celui-ci, c'est avec un lit en dessous. Ok. Sinon, tu as celui-ci à 109 euros, il est bien. Tu vas pas tomber et te faire mal, quoi. Ça, c'est pour les... Mais voilà, c'est pas une très bonne qualité, quoi. Ouais, non. Ah, voilà, les commodes, ils sont là. Donc, je vais bien regarder. Oui, ici, c'est un peu cher. On va aller dans les moins chers. Alors, celui-ci, il a 119 euros. Voilà, on va voir. Il n'y a pas la sécurité. Youpi, mais il est bien. Il est beau. Ah, ça, c'est bien, c'est les séparateurs. Ça, combien? 12,99 €. Voilà. Ensuite, ici. Moi, j'aime pas du tout cette couleur, mais c'est le même que le blanc. Voilà. 179 euros. Ouais. Celui-ci, il est plus petit. Mais je pense que la qualité est mieux. 179 euros. Ouais. Ouh. C'est celui qui se ferme automatiquement. À 249, il est beau aussi. Mais pourquoi il est là-haut? Ah, tu en as un plus bas, mais d'une autre couleur. Alors. Le baron des années 90. Non, il n'y a pas. Ouais, des années 90. Il n'y a pas de sécurité. 79 euros. Pas très très cher. Non. Qualité. Voilà. Okay. Ah, ouais, c'est couleur brute. Ça, je pense que c'est pour bien le repeindre. 89 euros. C'est vraiment bas de gamme. Celui-ci, c'est lequel? Oh, il a 179 euros. Il est beau le blanc aussi. Il a combien? Je ne sais pas. Il n'y a pas de prix. Il est beau. Celui-ci, il a 145. Là, je vais regarder. Ah, 135 encore, ça va celui-ci. Alors, celui-ci, il est très beau. 59,90 €. Mais c'est couleur bleue. Sinon en blanc, il est plus grand, 99 euros. Ceci est beau quand même. Voilà, classe. Ça c'est trop bien. Vous mettez vos chaussures. Yeah. C'est super ça. 200 euros. Enfin 194,40 €. Ça par contre, je sais pas c'est quoi. C'est magnifique. Donc là, je vais à l'allée 17, place 15. Je vais chercher du coup les deux commodes, trois tiroirs. On l'a trouvé en blanc. Par contre, j'ai pas le caddie. Voilà, j'ai pas pris l'autre. C'est 17. Ah, c'est là 17, je crois. 18. 17. Ah non, 14. De 14, on est passé à 18. T'as vu? Ou ça 18, 33, je sais pas. Oh, mais c'est 16. De 16, on passe à 18. Attendez, faut que je regarde. Et Gaby l'a trouvé. Il est juste devant nous. 17. C'est bon, on a trouvé la 17. Ouais. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça va rentrer dans mon caddie. Ou sinon, j'irai dehors chercher un autre caddie. Il n'y en a pas un qui traîne ici, là? On le prend. Alors, place 15. Ouais, ouais. Ils en ont remis. Voilà, donc du coup, c'est celui-ci. C'est le Booms. Voilà, 59,90 €. Je suis trop balèze. J'ai mis les deux cartons, c'est trop lourd. Hein. Mais je sais pas comment on va mettre dans la voiture, on verra bien. Regardez.
Ça, j'ai acheté à, chez Action pour 2,90 mais en plus grand. Là, ils sont à 3,50. Voilà, donc heureusement qu'on a Action. Hein.